L'homme est venu à lui-même, est soumis à l'amour du péché. Et actuellement, le même de l'homme est là pour nous ramener à l'amour de l'homme. Comment donc faisons alors pour estimer cet amour du péché, pour l'amour de la vérité selon l'autre? Ouais. Pour enlever cet amour du péché, revenir dans l'amour de l'homme, c'est d'abord savoir qui vous êtes. Vous êtes des enfants, on va dire, au départ perdus de votre qui ont perdu leur héritage. Et maintenant, on vous donne votre identité, que vous êtes des fils de Moto. Vous êtes en même temps ici du peuple et que vous êtes l'héritier de l'univers. La logique veut que tu te mets pause, tu dis, attends. Si je suis l'héritier de l'univers et que j'ai perdu mon héritage, forcément, je ne dois plus me comporter comme beaucoup se comportent. Parce que, en découvrant ton identité, tu découvres que tu es de la lignée royale. Donc, tu dois avoir un comportement de ceux qui ne sont pas, qui sont pas soumis au père. Un prince ne va pas aller se salir dans la boue. Tu vas avoir un caniche, faire les chiens avec un caniche. Tu vas pas aller plonger dans la boue avec des porcs. Il va voir le porc, il va aboyer, mais il va rester comme ça, il va regarder la boue, il va aboyer, il va pas avancer. Parce que l'homme le lâche constamment, il sait. Pour revenir à l'amour, dis-toi que l'homme est ton père. Et que si tu es ton père, ben reste avec ton père. Pourquoi tu dois désobéir à ton père? T'aimerais que ta femme te désobéisse. Et pourquoi tu dois désobéir à ton père? De même que tu ne veux pas que ta femme te désobéisse, ou bien, voilà. Dis-toi aussi que ton père ne veut pas que tu puisses désobéir aussi. C'est comme ça. Si vous avez vraiment le bas, c'est à cause de l'amour que vous avez pour lui que vous allez laisser facilement le péché. C'est ça qui vous donne la force. L'amour pour le bas. La patience que le bas a manifestée. L'amour qu'il a manifesté. Regardez le monde qui est là. À un instant, il peut décider que tout s'arrête. Ou bien il peut rien. On ne va même pas dire il peut, puisque rien n'est possible. Mais néanmoins, avec des cerveaux d'âme, il peut aussi dire qu'il va mettre tout le monde dans une souffrance terrible. Et personne ne va lui dire pourquoi tu fais ça. Et tu es conscient que tu souffres. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il est là-bas. Parce qu'il vous aime. Et maintenant, tu l'aimes pourquoi? Et lui, il t'aime? Il t'aime pourquoi? Parce que tu vis. Le démon, il vit. Donc, bon. L'homme a manifesté l'amour. Parce qu'il est au-delà de l'amour. Et à cause de ça, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer parce que c'est normal de l'aimer. Et si tu l'aimes vraiment, c'est grâce à son amour que tu ne mourras pas. C'est ce que le patriarche tout ça avait compris. Il aimait vraiment l'homme. C'est pour ça que Satan a dit. Dans les livres anciens classiques. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Parce que Satan se dit, c'est pas possible qu'un homme puisse aimer le bas comme ça, sans recevoir quelque chose. Satan dit, c'est pas possible. Depuis que j'existe, ou depuis qu'il a chuté, il n'a pas vu ça. Pour lui, Dieu te dit, c'est pas possible. Parce que c'est un menteur en même temps. Oh, il avait bien vu ça à Enoch. Mais il dit, est-ce une manière désintéressée que je me crains Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas couvert de richesse? Il dit, c'est à cause de tout ça que je me t'aime. Enlève-lui tout ça, je vois. On enlève. J'en veux être toujours là. Satan lui dit, pour. Il dit, pour. Donc tu regardes une image, ça te reflète aussi. La même image.
Ça veut dire, si tu aimes vraiment le bas, maintenant pour aimer le bas, il faut le connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas sur Internet, il y a des fois, tu attends le téléphone, une femme appelle pas le téléphone, tu tombes amoureux de sa voix, dès que tu la vois. Ah, c'est pas mal, tu fouilles. Non. L'Oba, les entités qui sont dans le monde ont des choses, aiment l'Oba. Parce que eux, ils représentent l'amour de l'Oba. Voilà. Donc, pour combattre le péché, c'est l'amour du Père, l'amour de l'Oba. Et dans le respect. C'est pour ça aussi. Il y avait un film qui était sorti. C'était Ali. Moi, le film m'avait d'Ali. Ali. Un moment, il va en Afrique pour combattre. Et il avait beaucoup de femmes. Il a su, sa femme a su que Ali l'avait trompé. Mais elle savait que Ali aimait beaucoup de femmes. Elle a, bon, c'est pas qu'elle acceptait, mais elle essaie de faire. Sauf que, afin d'aimer les femmes sorties dans le journal, que tu es encore avec une nouvelle, et sa femme a dit, pourquoi tu me manques de respect comme ça? C'était très fort la phrase qu'elle a prononcée. Il était là. Il regardait ses répondants. Ça veut dire, si tu aimes le bas, c'est que tu le respectes. Et si tu le respectes, tu ne vas pas faire n'importe quoi.